Salut les rideuses, salut les riders. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment purger un frein à disque Shimano. Pour purger un frein à disque Shimano, tu auras besoin d'un jeu de clé Allen, d'un gros tournevis plat, d'une clé plate de 7, d'un kit de purge. Ici, on a recyclé un kit de purge à vide, qui se compose de deux seringues. Voilà. Et du liquide minéral. Tous les freins à disque Shimano se purgent de la même manière. Donc c'est valable pour le Dehors, pour le SLX, pour le XT, pour les XTR et pour les versions avant le Dehors. Alors on commence par démonter la roue. Ensuite, à l'aide du tournevis, on va écarter les plaquettes en faisant levier. On retire le petit cache en caoutchouc. On va remplir la première seringue, celle sans l'embout. On fait bien attention qu'il n'y ait pas le bulle d'air. On place la seringue comme ceci. Avec une clé Allen de 2,5, on ouvre la vis de purge. On enlève le petit joint. On met le mètre cylindre à l'horizontale. On installe la deuxième seringue avec l'embout à visser. Voilà. On n'a pas mis la partie haute, hein. Ça va faire office de réservoir. Avec la clé plate de 7, on vient ouvrir la vis de purge. Comme ceci. Voilà. On pousse ensuite sur la seringue. Voilà, on peut noter les bulles d'air. Avec la clé plate de 7, on va venir fermer la vis de purge. On enlève la seringue. On va venir bien essuyer. On remet tout de suite le petit capuchon. Avec un récipient, on va venir vider le contenu de la seringue et on peut retirer le petit réservoir. On remet la vis de purge. Et on repositionne le levier de frein. On refixe la roue. On conseille fortement de remplacer ces plaquettes en même temps. Pour cela, tu peux aller voir notre tuto remplacement de plaquettes de frein. Maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de bricoler. Si jamais tu as une question à poser, passe par la case commentaire, on se fera un plaisir de te répondre. Allez, ciao!